Bonjour, vous êtes au musée du tabac de Bergerac, musée d'anthropologie depuis, disons, 1985-1989. On dit le tabac, on en parle souvent pour ses conséquences malheureusement funestes sur la santé, mais il faut savoir que c'est une plante extraordinaire, ce qu'on appelle une souris verte, sur laquelle travaillent beaucoup de savants, de botanistes, de généticiens, l'arrivée, si vous voulez, de Christophe Colomb en Amérique. Il découvre ce produit, on le voit d'ailleurs arriver avec les indigènes, qui lui offrent des produits. Et parmi ce produit, il y en a un mystérieux, qu'il décrit d'ailleurs comme étant des herbes sèches, enroulées dans une certaine feuille sèche, elle aussi. Il les allumait par un bout, suçait l'autre et absorbait la fumée par aspiration. Cette fumée les endormait, les enivrait, pour ainsi dire, et les empêchait, disait-il, de sentir la fatigue. Ces pétards, eux, les appellent tabacos. Alors, vous voyez, ça, c'est la première prise de contact, en fait, Colomb avec ce produit. Pourquoi on fume? Qu'est-ce qui est à la source, si vous voulez, de cette addiction? Tant qu'on n'aura pas répondu vraiment au mal-être de nos sociétés, je pense qu'on passera un petit peu à côté de la question, puisque la répression, elle est peut-être nécessaire quand c'est trop tard, mais ça, c'est un avis personnel. Elle n'est pas, à mon avis, une réponse tout à fait suffisante. Essayez de, je dirais, ritualiser cette consommation. Et parce que l'on voit justement cette ritualisation à travers les cérémonies qu'on appelle maintenant les cérémonies chamaniques. Un chaman rentre, si vous voulez, en initiation avec le tabac et avec d'autres produits. Il faisait une psychothérapie en fait empirique sous l'influence de ces produits. Ce chamanisme est important. Il se retrouve aussi dans les sociétés d'Amérique du Nord. Quand on parle du calumet, par exemple, on dit « le calumet, c'est fait pour faire la paix », etc. Pas du tout. Au départ, les Sioux, par exemple, la Grande Prairie, se réunissaient justement pour fumer du tabac. C'était le tabac qui est au centre des cérémonies Sioux autour du calumet. Et c'était quelque chose de très précis et de très ritualisé aussi. Ils s'asseyaient en cercle, se faisait passer le calumet dans le sens des aiguilles de la montre, dans une variété qui est la Nicotiana rustica, qui est quelque chose qui a beaucoup de nicotine, beaucoup plus que celle que l'on fume actuellement, puisqu'il y a jusqu'à 15% de nicotine dans la variété Nicotiana rustica, avec, vous voyez, ce genre de cigare, enfin, c'est saturé n'importe qui chez nous. Hein, est-ce que ce ne serait pas quand même quelque chose d'assez exceptionnel, hein? Est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui fait que quand même, il y a derrière des choses qu'on n'a pas comprises? Hein, comme le vin, c'est pas tout simplement une plante de civilisation, au lieu d'être cette plante simplement que l'on rejette. L'Amérique, Christophe Colomb, vous voyez bien, les découvertes font que le tabac ensuite, par la traite, se répand dans le monde. Il est donné au pape, vous voyez, il est donné aussi à Catherine de Médicis, qui s'en sert pour soigner ses migraines. Il traînait, si vous voulez, une réputation d'herbe qui soigne. Et c'est un engouement, on en prend, on prend son tabac. On prend...